parce que là, font bonne grille à machine, on prend une machine. Bon, on pas bien fait tout ça dans la population. Et alors, bonjour tout le monde. Et moi, bon, je suis là, je te dis non. Et je dis, c'est vendredi, donc c'est censé week-end aller commencer. Et est-ce que n'a passé week-end ensemble, pas qu'on est prochain président des États-Unis? Et bon, pas qu'on est. Donc ça va dépendre entièrement de qui j'ai tout barré là, mais jusqu'à présent on a dit que bulletin voiture censé compter toujours, donc tout le monde censé dans suspendre toujours là, toujours même si tout le monde gont idée plus ou moins, gont idée plus ou moins, mais sans gont idée plus ou moins, gont idée que qu'il a, que qui peut confirmer. Et est-ce que les États-Unis n'a pas connu le prochain président des États-Unis? Normalement, et maximum, non, c'est à la semaine prochaine, non. Si il y a action en justice, ou bien si il y a action légale qu'il prend, et, ou bien si campagne candidat parti républicain et Donald Trump, il peut aller dans le tribunal, ou bien le dossier a continué, non seulement dans le tribunal, mais il a continué de l'autre côté tout, donc il peut aller peut-être juste pour arriver dans la Cour suprême, non. C'est quand même peut-être là que le problème est capable de briver. Mais en attendant, et quand on est censé continuer, contagieux, à continuer à faire. Donc, voilà. C'est ça nous gagne pour nous avoir parlé avec vous. Et c'est vrai. Et, je vais vous montrer. Mais bon. Oui, je nous dis là, nous disons que la campagne électorale américaine est censée arriver dans la position côté que nous presque connaissons ce qui va passer exactement. Et. Soleil Longjean, bah, est là. Oui. Donc, la campagne électorale est censée continuer. Donc, pour qu'on gagne un candidat et que nous avons une victoire claire, excepté gagner un candidat qui a mené, c'est le candidat parti démocrate Joe Biden, qui a mené dans quelques états. Mais nous avons tout parallèlement, le président Donald Trump lui-même, ou bien la campagne président Donald Trump, il est censé aller dans le tribunal avec pour bloquer le contagia. Yo prend un tribunal dans Philadelphie accepté pour yo gon présence côté bulletin à compter ya, mais gagne un tribunal dans Georgie par exemple qui rejeté demande que candidat parti démocrate là et candidat parti républicain yo te fait ou campagne yo a fait pour que yo te camper vote là, mais yo rejeté. Gagne d'autres accusations que yo fait tout, et ben gon l'autre tribunal tout qui rejeté ça tout. C'est la nouille, mais et d'après toutes dernières données, ça qui cap gagne kounya là dans Jean ça et kounya là, c'est que capable gagner président Donald Trump s'il doit remporter élection, et bien l'état doit remporter et d'abord Georgie avec Pennsylvanie. Donc s'il veut remporter victoire dans élection, s'il veut et chance dit c'est que il doit remporter victoire dans Georgie avec Pennsylvanie qui t'a aidé le remporter et qui t'a aidé le remporter un deuxième mandat. Cependant, quand j'ai passé démocrate là, Joe Biden pas besoin de remporter victoire dans deux états, ça dit pas besoin de remporter victoire dans Georgie avec Pennsylvanie, mais il a besoin de conserver avantage que les gagnants dans Arizona et Nevada. Donc si candidat parti démocrate là remporte deux états ça yo, donc quand dit moi dit les cartes c'est fini. La ramasser 270 voix collège électoral là qui nécessaire pour que remporte nomination et présidence États-Unis, donc course pour la maison blanche pour que remporte.
C'est ça, ça gagne. Et puis, dans le pays d'Haïti, toujours, gagne manifestation dans le pays d'Haïti, manifestation et contre, pour dénoncer assassinat et écolier Evelyne Sincère. Hier, c'était élève l'école de même qui prend la rue. Donc, élève de l'école qui prend la rue, puis dénoncer assassinat. On croit les pailleurs, Evelyne Sincère. Et puis, il y a artistes surtout, il y a plusieurs secteurs qui ont appelé à camper contre l'assassinat ou bien contre l'insécurité qui a augmenté chaque jour dans le pays. Il y a l'autre question, tout, par exemple, qui a parlé de ces affaires Jimmy Chérizier, alias Barbecue, qui a arrêté monsieur qui est accusé comme monde qui t'a touillé. Evelyne, qui t'a tué Evelyne Sincère là, Obed Joseph, mais qui accusé, qui en bas accusation, il y a un monde qui a posé question pour qui ça c'est Jimmy Chérizier qui a posé action. Est-ce que monsieur c'est pas dans bas jury, est-ce que c'est Bali, et pour qui ils ont tout qu'il y a Jimmy Chérizier qui même tout, il y a un autre mandat, il y a un mandat tout, un mandat d'arrêt d'elle tout, un avis de recherche d'elle tout, mais on va m'arrêter pour que ça ait des poses actions, etc. Est-ce que monsieur était dans base-là? Parce que monsieur prétend que dès qu'on a des possibilités de détecter signal téléphone dans la base-là, je savais qu'il a les points limités de livrer. Mais en attendant, monsieur Obed Joseph, il n'a même l'autorité judiciaire. Ma vie sur campagne électorale pour nous, comme Gampin, nous qui fait brancher, campagne électorale aux États-Unis, jusqu'à présent, pas grand. On vainqueur déclaré, même si on a tendance que mon qui côté qui est capable qui est possible pour remporter la victoire, mais étant donné qu'il y a des actions légales, des actions en justice qui prend et que campagne parti républicain ou campagne candidat républicain Donald Trump prend pour défier et comptage bulletin pour dénoncer ou dire qu'il y a une fraude, mais par exemple je dis que par exemple des côtés par exemple. Eh bien, il y a un candidat, il y a des gens qui ont perdu plusieurs milliers de gens qui ont voté dans l'État, alors que les gens n'ont pas habité dans l'État. Donc, mais selon les observateurs, ou bien encore experts, ils disent, ils n'ont pas vraiment côté qui a vraiment dans l'élection, contrairement à ça. Même le président Donald Trump, déclaration qu'il fait hier soir, pour lui dire que lui-même, si il était contre le vote légal seulement, il était déjà porté l'élection déjà. Mais le fait que vous venez contre le vote illégal, eh bien, ça, il y a un signe qui montre que vous avez pris l'élection dans la main. Il y a tout sur les affaires d'élection toujours. Donc, c'est côté nous, il y a. Donc, si le président Donald Trump veut remporter l'élection, eh bien, il doit remporter la victoire dans. Il doit remporter Georgie. Et Pennsylvanie, alors, deux États actuellement que le candidat parti démocrate, là, Joe Biden, a réduit l'écart qui était séparé entre lui-même avec le candidat parti républicain Donald Trump. Il a réduit l'écart, là. Cependant, mais on dit, Joe Biden, alors, si vous le président Donald Trump, il faut le remporter Georgie avec Pennsylvanie, même s'il y a actuellement entre 213 et 214 voix collège électoral, là, contrairement avec Biden, un bon chiffre qui est officiel pour moi. Et contrairement avec Joe Biden qui lui-même gagne 253 voix, donc il n'est pas manqué un peu. Ça veut dire qu'il a manqué 253, il a manqué 17 pour gagner 270 là, et que le président Donald Trump a manqué plus pour lui gagner 270 là. Mais il dit même si Biden a perdu Pennsylvanie, il a perdu Georgie, il est capable toujours remporter l'élection présidentielle là, à condition que les marges. Mais sous même avantage tout mais si gagne devant président Donald Trump dans deux États, dans Arizona avec Nevada. Alors m'a dit que Arizona gagne 11 voix électorales alors que Nevada lui-même gagne 6 voix électorales. Ça fait exactement 17 voix électorales qui est nécessaire que conservateur démocrate a besoin pour remporter l'élection. Donc même si président Trump remporte Pennsylvanie avec Georgie, ça va vous dire rien, mais à condition que Biden kembe avantage que le gain dans deux États, qui c'est Arizona et Nevada. Donc, encore jeudi à vendredi, est-ce que nous avons privé non week-end, nous prenons non week-end sans président, sans président élu,
On va connaître. C'est le résultat définitif là. Le balagin doit éclater aujourd'hui à là. Et puis, la commission électorale état au bas résultat par eux. Donc, si au bas résultat par eux, donc, nous carrément avons une idée au moins qui est-ce qui est prochain président des États-Unis. Est-ce que le président Donald Trump a gagné un autre mandat, 4 ans, ou bien est-ce que c'est Joe Biden qui lui-même, dans le discours qu'il a fait, ou senti que il sentit que il y a un piège déjà dans la Maison Blanche. Alors, le président Donald Trump lui-même, dans ça que discours il fait lui-même, ou senti qu'il sentit que il voulait perdre, et il voulait perdre la Maison Blanche. Des affaires, il a fait toute action ici, ça. Donc, que résultat bail? Donc, Jean-Baptiste Pralaya, candidat parti républicain, mais quand pas parti républicain, voulait aller en appel avec décision qui prend dans l'État. Donc, si aller dans le tribunal avec espoir, il y a un espoir, c'est que, une démarche qu'il a fait, ça va aboutir dans la Cour suprême, non? Côté, normalement, la Cour suprême, qui a 9 membres là-dedans, eh bien, le président Donald Trump, une majorité, ou bien encore des supporters, ou bien ses partisans, peut-être, de la qui ont 6 juges conservateurs, comparé avec 3 juges libéraux. Donc, si le dossier est arrivé là, peut-être, là, c'est la 6 fois président Donald Trump, et bien, le dossier est arrivé dans la Cour suprême, non, et bien, là, il est capable de de cause, ou bien, le président est prononcé en faveur. Nous ne parlons pas encore, mais ça, c'est débat hypothétique que nous avons parlé, et en attendant, on a quitté, et contagia fait course li rivé jusque les poules rivé a et les wagons candidats qui déclaré et moi pour être nous dans week-end ça encore si gen un bail qui déclare qui officiel parce qu'on a ces spéculations mais si qu'on bail qui officiel que l'État a déclaré par exemple Dado on nous dit que l'État et Arizona avec Nevada a déclaré que yo bail et candidat parti démocrate là Joe Biden la victoire. Ça fait deux ans en discours, m'a vu confirmer avec nous, bien que quelqu'un qui dit, oh non, n'a pas été en compte ça avant. Oui, n'a pas été en compte ça avant, n'est-ce pas? N'a pas été en compte ça avant, n'est-ce pas? N'a pas été en compte ça avant, car nous avons peut-être fait parler beaucoup plus sur ça. Tu vois? Il y a un parmi nous qui te pose une question, qui te demande, est-ce que le président Donald Trump est capable de candidat encore en 2024 s'il a perdu l'élection? Et réponse là, c'est oui. Parce que la constitution américaine dit qu'on est capable de remporter 2 mandats consécutifs. Il ne pas dire qu'on est fort au capable candidat. On est capable de remporter 2 mandats. Donc, déjà, le président Donald Trump a un mandat. Donc, s'il perd là, donc il a toujours été un président avec un mandat. Donc, oui, en 2024, il est capable toujours candidat. Mais est-ce que le facteur l'âge là, pas pour jouer contre lui? Ben, laisse ça qui là, le président Donald Trump a 78 ans éventuellement. Et donc, l'âge là, capable un facteur qui pas bon pour lui. Donc, mais techniquement, sur le plan légal, il est capable toujours candidat si c'est que capable qu'il ait compas, mais une campagne. D'ailleurs, quand il y a des gens qui ont campagne là, et lorsqu'il est capable de compas pendant un mois, et cela pas même un mois même, et pratiquement depuis septembre, quand ça et président Donald Trump il en campagne depuis même avant et alors qu'il utilise président Donald Trump en campagne électorale depuis même l'elfin prêter serment en 2017 depuis quand il prêter serment était en campagne encore pour tirer au cas comprendre et campagne là consommer tant les demander en pile énergie pour faire déplacement à droite à gauche pour contacter les électeurs et bien c'est là nous on attend résultat pour nous connaître. Et est-ce que c'est dans le week-end là? Donc, si l'action légale, il est capable peut-être prendre une semaine, il est capable prendre des jours et des semaines même. Et, mais, candidat, campagne républicaine, campagne Donald Trump, ben, il dit, il va aller jusqu'au bout, même si il prend des échecs derrière, il prend deux. Il y a deux côtés, il a déposé plainte, puis il a été accusé, et membre conseil électoral, membre bureau électoral, il dit, qui t'a mélangé ou qui a compté faux bulletin avec bulletin légal et bulletin illégal. Gain tout au tribunal la rue, c'est ça veut dire par un assez de preuves pour qu'un bé ça veut dire. Gain l'autre côté, gain monde qui accusé ou dit que yoté ouais même employé et centre de vote qui gain maillot et Biden souli qui gain et masse qui gagne un Biden qui souli
Donc c'est des accusations mais qui jusqu'à présent seul ça a gagné seul ça que campagne président Donald Trump a gagné comme victoire dans action en justice que vous prenez déjà c'est seulement dans Philadelphie côté Costa on sait toujours et c'est seulement dans Philadelphie côté tribunal d'accord pour vous permettre supporter ou bien encore et partisans et président Donald Trump de camper en tijan en dans ça en dans côté à côté bulletin plus capable plus près que plus loin plus qu'à observer. C'est celle-là qui a remporté jusqu'à présent, mais l'autre action légale pour te bloquer comptage bulletin, eh bien, il y a des tribunaux qui déjà ont exécuté devant ça. Donc, en révision, me dis nous, et sans avoir qu'on aucun autre, même si nous avons une tendance contagieuse, nous avons un côté Joe Biden a mené, un côté tout, le président Donald Trump a mené tout. Mais avantageux, vraiment pas majeur, pas vraiment pile, un côté que, par exemple, dans Pennsylvanie, et quand je dis à partir démocrate là, l'essentiel rapprocher de avantage président Donald Trump gagne dans l'État. Alors que dans Arizona, et quand je dis à Joe Biden gagne un avantage par rapport avec quand je dis à partir républicain Donald Trump. Et c'est même pas là tout, nous jouons dans Nevada, côté que Joe Biden a un avantage devant Donald Trump et avec Arizona avec ça. Joe Biden a un avantage dans Georgie qui peut être un petit coup qui est serré et puis avec dans Pennsylvanie. Restez branché toujours, n'a toujours l'avoir et n'a pas dû quand même qui en sait. N'a pas de vous passer un très bon week-end. Alors me dit bonne nouvelle en Haïti qui gagne toujours. Ces manifestations gagnent contre la sécurité toujours. Plusieurs secteurs les voyaux pour dénoncer. Et sécurité a dit qu'il a augmenté chaque jour, il a demandé 10 gens pour faire un gens pour être dans les mesures capables de combattre l'insécurité. On dit que nous passer un très bon week-end. Si possible, si tout bagage, si bail changé, n'a pas pendant le week-end. N'a pas pendant le week-end, que ce soit samedi ou bien dimanche. Si il n'y a pas changé, c'est lundi, n'a pas parlé encore. Mais je me rappelle que les actions légales qui ont pris toujours, donc ça veut dire qu'il y a plus de possibilités pour que, annonce un vainqueur dans l'élection présidentielle américaine. Prendre un petit temps toujours, si on bataille, si bataille arrive dans affaires, dans le tribunal. Bonsoir, bonjour tout le monde. N'a parlé soit dans le week-end ou bien semaine prochaine. Bye bye.